Bonjour à toutes et à tous, c'est Mix 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du tournoi Interfacipad 14 Ultra Fury. Aujourd'hui, on se retrouve pour les combats qui opposent moi-même face à Magicness. Et commençons directement. Hein. Trêve de blabla. Lily contre Muscoto, ça pose les PDR et toxique. Du coup, bon, je suis immunisé, je suis de type poison. D'ailleurs, niveau des participants, je vais en parler du coup, vu qu'il y a eu cette erreur-ci. Magicness a très peu joué à Pokémon dans sa vie. Les seules fois où il a joué à Pokémon, c'est durant les tournois que j'ai fait. Et ça fait 30 ans qu'il n'avait pas participé. Et qu'il n'avait sûrement pas joué à Pokémon en règle générale. D'où le fait que là, vous voyez qu'il fait des erreurs comme faire une attaque poison sur un type acier. Ou faire une herbe sur un Pokémon bon, léger et qui résiste doublement. Bon. Voilà. Sinon, Anaïs joue à Pokémon, ça va, elle s'y connaît bien. Zikario joue à Pokémon et en strat. Et Nathan joue à Pokémon de temps en temps, mais pas en strat. Donc voilà, au niveau des niveaux, j'ai comme ça. Bon, je dis, j'annonce ça, c'est épisode 3. Durant le premier combat, au lieu de commenter. Mais bon, vu ce qui se passe, vous avez sûrement rapidement deviné le résultat final. Hein. Michael qui va littéralement sweep le combat. On va passer directement au deuxième combat qui m'oppose face à Magicness. Hop, Lily contre Amahama, ça pose les PDR et ça fait distorsion. Ça, par contre, très très bon point. Girobal en plus derrière. Magicness qui a peut-être fait une team disto sans le savoir. Vampigan qui va rater et je fais abri. Ouais, 6. Bon, dans tous les cas, ça ne m'aurait pas touché. Je suis de type folle. L'attaque Z de type Roche, Apocalypse et Chigality qui va être envoyée. Ça va me mettre KO. Un petit boost chimère en défense. Close combat. Bon, c'est x4. Et Amahama est peut-être défensif. Ça, je n'en ai aucune idée. Mais bon, face à Smash, il n'a rien pu faire. Zero Hit qui va mourir également sur Close combat. Et ça va envoyer Katagami qui va également mourir sur Close combat. Pour le moment, ça part sur 3 one-shot. Sur Close Combat. Muscoto, bon, il va pas mourir sur Close Combat. Il résiste. Mais bon, dans ce cas, vu que j'ai énormément de baisse de défense, je m'en fous un peu. Toxic qui va être envoyé. Je refais Close Combat. En fait, j'ai envie qu'il me tue. Bon, là, j'ai vu qu'il fait atterrissage, donc probablement que j'ai switché derrière. Ouais, parce que sinon, ça allait être indéfini. Ça allait être à l'infini. Marteau point sur Michael qui ne le touche pas. Lance-flamme qui va one-shot Bombozel. Je ne sais même pas s'il est. Pokémon de Magicness était investi parce que Bombozel aurait sûrement pu résister à Lance-Flamme qu'on a pu voir avec le combat contre Zikario, mais du coup là non. Je sais pas s'il était investi ou s'il avait peut-être pas d'objet, je sais pas. Mais bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en compte sur vous qui va gagner le tournoi. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je veux dire enjoy.